Bienvenue sur la boîte noire du musicien.com. Je vais aujourd'hui vous présenter le dernier né de chez Korg. Il s'appelle le Grand Sage X. C'est un clavier de scène, mais mix. Ils ont été chercher des sons du Chronos, du Nautilus, et les ont incorporés dedans, qui me permet d'avoir vraiment un clavier très, très, très large en sonorité. Sonorité. Sur chaque sonorité, je peux avoir plusieurs échantillons, qui veut dire que je peux avoir un piano et des violons sur mon premier programme et avoir un piano électrique et par exemple des nappes autres sur l'autre programme, qui veut dire que je n'ai pas que deux sons, mais je vais en avoir quatre, plus un troisième son que je peux splitter et avoir pourquoi pas une basse sur mon côté gauche. Tout ça va se régler directement ici. Ce sont mes volumes, je fais on-off, ça reste vraiment très simple à manipuler. Pour cet exemple, j'ai pris un son de FM piano électrique. Quand je dis FM, c'est des sons qui sont tirés du Chronos, du moteur FM du Chronos. Je les retrouve bien sûr à l'intérieur du Grand Sage X. Écoutons. La dynamique est énorme, ça veut dire que je peux lui donner vraiment énormément de grains grâce bien sûr au moteur FM. Mais je peux rajouter une autre sonorité. Par exemple, j'ai rajouté un piano. Un mode split, qui veut dire que je peux garder mon piano FM et mon piano classique sur le côté droit, et je peux avoir sur le côté gauche une autre sonorité. J'ai un bouton qui s'appelle Swap Split, qui va me permettre d'inverser mon split, qui veut dire que ma basse va devenir un lead et mon piano électrique va avoir, en fin de compte, une basse de piano électrique. C'est intéressant, ça m'évite de faire beaucoup de programmation, ça se fait directement sur ce bouton. Il y a sur le Grand Sage X deux switches sur ma gauche qui me permettent là, de programmer ce que je veux, ce qui veut dire que je peux mettre, entre autres, des effets. Prenons un exemple. Sur mon piano électrique, je n'ai rien. Je vais appuyer sur le premier, où là, je vais avoir un délai. Rien de nouveau. Sauf que je peux avoir un deuxième effet, où là, je vais un petit peu casser cette ambiance. Encore une fois, tout ça joue sur un son. J'ai d'autres sonorités qui vont me permettre de donner l'univers qui m'intéresse. À côté du switch, j'ai une petite section rythmique, rythme et basse. Quelques rythmes qui me permettent un petit peu de donner tout de suite une idée de ce que je veux faire et des lignes de basse qui vont suivre par rapport à vos accords. Prenons l'exemple. Toujours ma sonorité avec mon piano électrique avec les effets. Et là, je vais plaquer un accord. Je vais avoir ma rythmique et ma basse. Suivant mon accord, ma basse va changer. C'est surtout un système qui vous permet de flasher une idée avec une petite rythmique. Nous allons maintenant parler d'une petite chose qui est très intéressante qui s'appelle l'analog tone. C'est comme si je me branchais sur, par exemple, un Vox AC30 et que je grille un petit peu avec la lampe de cet ampli ce son. Je vais le couper pour l'instant pour vous donner le son qui est très propre, très joli. Voilà, un beau piano électrique. Sauf que j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus, allez, vieilli.
je vais ouvrir ce bouton et je vais lui donner ce son. Oui, il commence à griller un petit peu ce son que j'ai envie d'avoir. Une petite rythmique et c'est parti. Ce qui est surtout très recherché sur les pianos de scène, c'est de ne pas avoir de coupure d'un son à l'autre. Je vais changer de programme. Je reviens. Je n'ai pas eu de coupure d'un programme à un autre. Nous allons maintenant parler de ce petit bouton qui s'appelle unisson. Ça, c'est intéressant parce que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve sur des synthés analogiques. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que ça me permet de donner de l'épaisseur à mon son. Là, je n'ai pas du tout. On va l'allumer, mais je vais le mettre à zéro. Pour l'instant, j'ai ce son. Qui est intéressant, mais bon, qui n'est pas encore assez gras comme j'aimerais l'avoir. Ce bouton-là va me permettre... de lui donner de l'épaisseur sur le son. Et ça me donne un peu plus de vie, par exemple. Plus aussi sur ce grand stage X, c'est que vous avez un bouton qui s'appelle Chord Progression, qui me permet d'enregistrer mes suites d'accords. J'ai devant moi donc ce bouton, je choisis les accords qui m'intéressent, que ce soit en majeur, en mineur, en septième, ce que vous voulez, vous les choisissez, et ça part en fin de compte sur une boucle. Prenons un exemple, là je suis resté sur trois accords basiques, je mets mon start, je plaque mon premier accord, et là ça part. Quand je dis accord, c'est surtout la basse qui va me permettre de changer. Là, ça va se changer à la fin de la mesure. Voilà. C'est une petite boucle comme ça qui me permet de travailler à la maison, ou même si je suis voilà, avec des potes, de pouvoir en fin de compte avoir déjà une structure toute faite. Sur ma droite, j'ai les sélections de sons. Je les ai par famille, piano, piano électrique, vintage, ainsi de suite, jusqu'au violon, cuivre, synthé et autres. Mais j'ai aussi le bouton favori qui va me permettre de centraliser et de mettre en mémoire mes propres programmes. Je vais terminer par ce petit bouton qui s'appelle Audio In, qui me permet soit de rentrer n'importe quel instrument et pourquoi pas un micro avec des effets qui seront dédiés pour le micro, entre autres une reverb ou un délai. Écoutons maintenant quelques sons. Thank you.
professionnel, son look original et ce côté très convivial qu'on retrouve sur ce grand stage X, vous allez vraiment vous faire plaisir. C'est un joujou très sympa, facile d'accès. Il n'y a plus qu'à venir l'essayer dans un magasin Korg. À bientôt.